le dernier appareil, Karine Boucher, très menacée. En tout cas, elle n'a que 100 centièmes de point d'avance sur Pascaline Mazuire. C'est une lutte très serrée entre Karine Boucher et Pascaline Mazuire pour l'attribution du titre. Karine qui entame ici son exercice aux barres asymétriques où elle n'a plus le droit à l'erreur. Avec un premier lâché en 4 chefs en prise croisée. Nouveau dans son programme également. Le voici, prise normale. Un salto au-dessus de la barre. Et le troisième salto entre les barres. On se prépare maintenant pour la finale de l'exercice. Avec un passement filé. Et oh là 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 là. Une sortie quelque peu basse. Je crois bien qu'elle a posé les mains pour terre. Je crois bien que c'est un troisième titre de champion de France qui s'envole en ce moment pour Karine Boucher. Alors que nous revoyons cette sortie. Eh oui, elle a posé les mains au sol. Un manque d'envol, encore une fois, un manque d'engagement. Je crois que depuis le début de la compétition, Karine aura été crispée.